Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, on amène la belle. Je vais réviser avant la vente. Juste derrière, il y a Liberty Moto, je vais vous montrer. Voilà, donc il m'aide pour tout ce qui est entretien des motos, tout ça. Il est au top du top. Il est super dispo, je vais vous montrer. J'adore. Ça c'est trop beau. Regardez comment elle est propre. Incroyable. Aujourd'hui, on est donc dans le garage. Je vous ai fait passer le stabilisateur. J'espère que vous allez kiffer. Et on va monter. Il est juste ici. Qu'est-ce que c'est? C'est le petit. Ça fait un an que je l'ai. Normalement, ça va sur la WRF, la première que j'ai eue, la 2,5. Et donc ça, c'est ce qui va nous servir de kitchen. Et figurez-vous que ça, c'est quelque chose qui est aussi super bien sur les YAM, c'est que la plupart des pièces sont interchangeables. Donc ça, à la base, c'était pour la 2,5 4 temps 2017. Et du coup, je vais pouvoir le monter sur la petite 2,5 WRZ. Vous voyez le Guigui là qui mécanique derrière moi. Écoutez, bah, on est parti. Hein. Il y a 3 vis à enlever, 3 vis à remettre. Go. Nettoyer la chaîne est bien dégueulasse. Autant vous dire que celui-là, il a bien vécu quoi. Il a été rentabilisé au max. J'ai d'ailleurs arraché tout en démontant. Et maintenant, on va attraper le tout neuf. Regardez comment il est 40 fois plus costaud. Je vais vous montrer un peu la différence. C'est assez fou de voir ça. Voilà. Donc, on a notre guide chaîne bien costaud. D'ailleurs, normalement, voilà, il désimbrique pour pouvoir le monter plus facilement, tout bêtement. Alors, c'est une espèce de Lego en fait. Ok, c'est bon. C'est bon. On va essayer de trouver le trou. On l'a, le premier. Le deuxième. Hop. Parfait. C'est super cool qu'il puisse se démonter ce petit guide chaîne. Parce que sinon, je peux vous dire, ce serait la grosse galère. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Nouveau colis. Et celui-là, c'est un vrai colis. Parce que dedans, il y a un joli petit truc. Alors, c'est parti. Je vais vous expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. C'est quelque chose qui nous vient de chez Sport Orthez. Donc voilà. Peut-être que vous aurez compris ce que c'est. C'est des orthèses qui m'ont gentiment été envoyées. Je vous expliquerai un petit peu parce que les orthèses, c'est une protection assez particulière. Elles peuvent être remboursées par la sécurité sociale. Je vous expliquerai après comment ça se passe. Oh là 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 là. Alors, et le colis, il est pile à la taille. Hop. Donc, de la marque EVS. Hop, donc là, il y en a une. Et, oh là là. Ça c'est cool, regardez, j'ai même le petit caleçon, hop, le petit t-shirt, des stickers, ah ils ont régalé, super. Les orthèses, je vous le disais, c'est remboursable par le médecin. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se faire une ordonnance. Si vous avez des questions, ce qu'ils m'ont dit, je mets le lien du site là en description. Ils m'ont dit que si vous avez quoi que ce soit comme question, il faut leur envoyer un message, ils vous expliqueront tout, vous les appelez au téléphone, quoi que ce soit, prendront le temps de vous expliquer tout en détail. Voilà, moi je suis pas encore... au point par rapport à ça. Alors, oh là là là, on va en ouvrir qu'une, hein, c'est les deux mêmes. À quoi ça sert une orthèse? Comme je disais, c'est en gros une genouillère plus qui est renforcée vraiment partout et qui va vraiment s'adapter à votre jambe. Vous voyez, il y a 4 points d'attache, même 5, 4 comme ça et celui-ci. Et ça vous permet d'éviter de vous faire des torsions du genou. Donc là, vous voyez, il y a des renforts sur les côtés, ce qui fait qu'en fait, si vous venez à taper, Vous pouvez pas la plier comme ça sur le côté. Si ça tape ici que votre genou se plie, là vous vous faites les croiser. Et avec ça en fait ça diminue le risque.
Alors bien sûr, si vous prenez un camion, voilà, ça va pas fonctionner. Mais ça diminue grave le risque. Et ça donc, c'est remboursé par la sécu, c'est une ordonnance de votre médecin. C'est plutôt pas mal. Donc ça, maintenant, à partir de maintenant, ça va finir, tout simplement. Avec l'équipement indispensable, hein. Et il manquait plus que ça, il me semble. On a reçu une jolie pièce, je vous montre ça tout de suite. Ça vient des États-Unis. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez déjà ce que c'est. Lectron. Ah. Et oui, les amis, c'est un carbu. Alors, j'explique un petit peu les avantages qu'il a. C'est un truc de ouf. C'est un carbu vraiment high-tech. Donc, je vais vous citer trois points forts de ce carbu. Il vous permet de consommer moins. Il vous permet que la moto marche mieux. Donc, plus de puissance sur toute la courbe. Donc, même en bas, dans les barres rigides. Donc, ça, pour l'enduro, ça va être efficace. Et aussi, il s'ajuste automatiquement en fonction de l'altitude et de la température. Donc voilà, si vous avez une moto qui est un petit peu capricieuse, moi j'ai de la chance, c'est pas spécialement le cas, mais quand même, c'est toujours cool de pas avoir à le rebidouiller. Donc on va monter ça. Qu'est-ce qu'ils ont fourni avec? Ils ont fourni le câble d'accélérateur et un petit truc d'outil. Parfait. Petit à petit, ça avance. On va mettre le câble de gaz. Normalement, il est pré-réglé. À voir s'il faut ajuster quand même avec le pot. Normalement, ça devrait fonctionner. Alors la cuve se remplit, ok, ça fuit pas, ça n'a pas l'air, allez, bah, on va essayer de démarrer, vas-y. Bon, deuxième démarrage, on va le faire, j'ai réglé un petit peu la carbe. Il y aura juste ça à réajuster. Voilà, c'est la durée est un peu trop longue. Juste réajuster un petit peu, après on ira l'essayer. On est en confinement, donc on va éviter d'aller faire la moto, mais au moins vérifier que ça marche. Écoute, on est pas mal, watch your gang try and ride my way.
shit, I'm running low. Can't complain, I got on me jeans. Now they fuck with me, mixing up my Sprite with lean. Help me fall asleep, it's all the same. It's all the same. Been sipping lean, turn you to a target. Shoot.